Chers frères et sœurs, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette émission Il est écrit. Donc, je suis votre frère Ludovic Rouget et j'ai à cœur de vous partager sur un sujet qui semblerait être connu de tous les enfants de Dieu, mais je voudrais l'aborder sous un certain angle. C'est le message de la croix. Alors, vous savez que Paul dira dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 2, à partir du verset 1, il va dire ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car, s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendus, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, ce qui distingue la religion chrétienne de toutes les autres religions, c'est justement la croix. La croix, c'est pas simplement une théologie. C'est pas simplement un objet, c'est beaucoup plus profond que cela. Car de la croix découle toute la doctrine de Christ. Tout ce qui n'est pas euh, autour du message de la croix n'est pas un message chrétien. Et je crois que s'il y a une chose à laquelle nous devons prêter attention aujourd'hui, c'est euh, ce qui est enseigné, soi-disant, au travers de la Bible, de la parole de Dieu. Est-ce que c'est un message euh, qui prêche la croix Est-ce que c'est un Jésus que nous allons prêcher, mais un Jésus crucifié Et je voudrais juste m'attarder aujourd'hui dans cette émission sur un des aspects de la croix. Vous savez, il y a quelque chose de très important dans ce message. Et il est tellement important que Dieu a voulu, au travers de cette croix, euh, élever la doctrine, justement, de la croix. cette croix a été à golgotha, cette croix a été exposée au monde. cette croix, personne ne pouvait dire du, du vivant de jésus, et surtout, bien sûr, euh, au moment du monde romain, que euh, il n'était pas au courant qu'il n'avait pas vu ce jésus crucifié. sur ce mont du calvaire, à golgotha, il y avait trois euh, croix. il y avait jésus, qui était au milieu. il y avait les deux brigands à ses côtés. Mais ils étaient exposés au monde de l'époque. Les pharisiens, les sadducéens, le peuple hébreu, le peuple juif, et bien sûr les romains et les autorités romaines ont vu cette croix. Et derrière cela, bien sûr, il y a le merveilleux message de l'évangile où Jésus est mort à la croix pour notre salut. Et parfois dans notre vie, et c'est par rapport à cet aspect-là que je voudrais développer, cette thématique aujourd'hui, on ne perçoit pas dans les difficultés, on ne perçoit pas toujours dans les moments de détresse que Dieu est à l'œuvre. Alors bien sûr, il y a les résultats de nos mauvais choix, de nos péchés, de toutes ces choses-là, où là, ce sont les conséquences de nos mauvais choix, et ça, c'est un autre sujet. Mais je parle euh, dans le cas où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons les choses le plus honnêtement possible en cherchant à plaire à Dieu et il nous arrive, entre guillemets malheureusement, d'avoir des combats, d'avoir des difficultés et il en découle une forme d'incompréhension. Seigneur, comment se fait-il que en ce moment même, alors que je te sers avec intégrité, alors que je marche avec fidélité, certes je suis imparfait, car nous sommes tous imparfaits, mais qu'il y a un désir dans mon cœur de chérir la parole de Dieu, de, de vouloir accomplir la volonté de Dieu et de vouloir faire le plan de Dieu pour ma vie. Et comment se fait-il que, en retour de cela, je subis des opprobes, des difficultés Ça peut être pas seulement des persécutions d'un point de vue... Euh, euh, par rapport à mon positionnement dans ma foi, mais peut-être des difficultés dans mon quotidien, tout simplement, euh, peut-être des décès de, dans mon entourage, dans ma famille, de mes proches. Et quand on est envahi comme ça, euh, de toutes ces difficultés-là, eh bien, on peut perdre le plan de Dieu et on pourrait penser que Dieu n'est pas souverain. Or, je voudrais vous communiquer quelque chose d'important aujourd'hui au travers de cet enseignement, c'est que Dieu est souverain. Et on va prendre ensemble les différentes étapes du chemin de la croix de Jésus, et là où les gens pensaient que tout était perdu, là où peut-être les gens pensaient que c'en était fini, qu'on avait tué le plus beau des prophètes qu'on n'avait jamais rencontré sur cette terre. et bien que, euh, euh, alors que les gens pleuraient, alors que les gens voyaient bien qu'il était mort parce qu'il va mourir. Et ils étaient parfois, pour certains d'entre eux, dans un tel état de détresse que, alors même qu'il euh, sera ressuscité, qu'il va ressusciter, eh bien, les gens auront du mal à le reconnaître parce qu'ils seront assaillis par la tristesse, par la souffrance par, euh, comment dirais-je, la, la, la dépression, on voit quand euh, Jésus va marcher au, aux côtés des deux disciples d'Emmaüs qui vont aller vers le chemin d'Emmaüs et qui euh, auront peine à le reconnaître, et il aura fallu qu'il leur expose les écritures en ce qui le concerne pour que l'Esprit de Dieu ravive la foi qu'ils avaient en eux. Et donc, parfois, nous pouvons être amenés, il faut le reconnaître, à, à cette situation malheureuse. Eh bien, je voudrais vous encourager au travers de cette parole et vous montrer que au plus creux, au plus au plus profond des ténèbres, en plein milieu des, des, des difficultés, des épreuves, Dieu n'a jamais été aussi souverain dans votre vie. Le message de la croix n'est pas un message de désespérance. Le message de la croix n'est pas le message de l'anéantissement la, de l'homme. Mais bien sûr, ça nous parle de la crucifixion de la chair. Ça nous parle de la crucifixion de l'ego, ce qu'on appelle le moi, le je suis au centre de tout. Ce qui a été au centre de, de la terre, et je dirais même au centre de l'univers il y a 2000 ans de cela, c'était justement la crucifixion de notre Seigneur. Ça a impacté le monde, ça a impacté l'univers, ça a impacté le monde spirituel. Et ce que nous devons comprendre, c'est que parfois, alors que nous traversons des, des difficultés que nous ne comprenons pas, que nous avons du mal à percevoir, Dieu est en train d'agir dans sa souveraineté pour que lui soit glorifié. Et vous allez voir que dans les moindres détails, dans ce chemin de la croix, Dieu était en train d'accomplir un acte de salut pour l'humanité de manière chirurgicale. Le trône de Dieu s'était installé pendant un abst de temps, certes court au point de vue de l'éternité, mais long dans l'agonie d'un homme. Le trône de Dieu s'était installé provisoirement à Golgotha. Et vous savez, la croix était un objet de malédiction dans le monde romain. Dieu a choisi dans sa souveraineté que le Messie... Naissent pendant la période romaine. Car c'est un jugement romain, la croix. Et il fallait qu'il meure à une croix pour accomplir toutes les prophéties. Et donc il a choisi de manière parfaite cette période. Rappelez-vous, quand Jésus, euh, avant qu'il naisse, il devait, donc ses parents devaient se faire recenser. Rappelez-vous que le roi Hérode a lancé une, une campagne d'extermination de tous les bébés euh, autour de Bethléem, de zéro à je crois c'est deux ans, je ne sais plus c'est deux ou trois ans. Et donc là encore, imaginez, c'est quelque chose de terrible, c'est un chaos terrible. On a tué des mâles, des bébés mâles. Les mères ont pleuré. Et ce qui paraît incroyable, c'est que euh, le Messie, pendant ce temps-là, a été protégé en Égypte. Ça a été sa protection, pour qu'ensuite il revienne, et ensuite on connaît la suite. Alors ça paraît fou parce que, imaginez-vous, évidemment nous on lit un livre, donc c'est facile, on lit un livre, on lit cela comme une histoire, mais si ça nous arrivait à nous, imaginez, vous avez un enfant qui est tué par un gouvernement impie, quel espoir on peut entretenir d'un point de vue humain et charnel, c'est compliqué. Et donc il faut véritablement la foi, qui est un véritable don de l'esprit, pour que nous puissions réaliser que quand bien même nous pouvons passer des tribulations de ce genre, Dieu n'a jamais été autant souverain. Dieu est le maître des temps et des circonstances, mes amis. Dans cette période où on a tué des enfants, le Messie était à l'abri en Égypte, et il allait revenir plus tard, grandir et à l'âge de 30 ans accomplir son ministère, le salut pour l'humanité, ou le salut plus exactement de l'humanité, c'est extraordinaire. Et là, sur ce chemin de la croix, nous pouvons percevoir que malgré la souffrance, malgré la haine des pharisiens, malgré ce qu'il va traverser, Dieu est en train de faire accomplir au travers de son Fils le rituel du Yom Kippour, qui était logiquement, parfaitement compris des Hébreux. Et ça encore, c'est un véritable miracle. Lisons Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Vous savez, sur cette terre, Jésus n'est pas venu en tant que roi, euh, en tant, pardon, que lion, mais en tant qu'agneau. Mais il a quand même été, en tant qu'agneau, déclaré roi. Et, dans le chemin de la passion sur ce chemin du calvaire il va être encore confirmé comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs et pas seulement par Dieu mais par les hommes même qui le haïssent et qui le rejettent et c'est là où on voit que Dieu y souverain et c'est pour ça que nous nous devons être encouragés parce que dans Jean chapitre 10 il est dit que personne ne nous ravira de la main de notre seigneur personne, c'est pour ça que si vous n'avez pas fait tout et n'importe quoi, si vous ne subissez pas les conséquences de vos erreurs et de vos entêtements, mais que simplement vous vivez des, des choses difficiles, vous savez, un enfant de Dieu est persécuté. Un enfant de Dieu aussi subit des épreuves. Mais Jacques nous dit dans chapitre 1 que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qui ne vous manque rien. C'est-à-dire que, au travers des épreuves, le Seigneur est en train d'accomplir son œuvre parfaite en vous, en nous. Regardez dans Matthieu chapitre 26 et on va prendre à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva et avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut rabbi, et il lui donna un baiser. Quel baiser, le baiser de la trahison. Jésus lui dit, Mon ami, est-ce que tu es venu faire ce que tu es venu faire, pardon, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mes amis, on n'est pas là pour être des révolutionnaires ou des Che Guevara. Ce n'est pas notre mission. Ne réglons pas les choses par l'épée. Dieu est le détenteur de cette épée. Lui seul a l'autorité et le droit. D'avoir cette épée. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Et pourtant, il dira à Pierre Prends cette arme. Mais il ne voulait pas qu'il use de cette arme pour frapper ce serviteur, pour frapper cet homme. Et Jésus, alors qu'il a été trahi, alors qu'il allait vivre des difficultés incroyables et qu'il allait mourir, et il le savait, il était préparé à cela, il va bénir, il va guérir. Et c'est pour ça qu'il est le cœur même de la Torah. Parce que la Torah parlait des choses extérieures, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Mais Jésus parlait de la loi la plus parfaite, la plus excellente, celle qui vient de l'intérieur du cœur. Il était dit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que, et c'est Jésus qui parle, que celui qui convoite même de ses yeux une femme a déjà commis un adultère. La loi gère les nations de manière extérieure pour, pour limiter le chaos. Mais la loi de Christ nous parle d'une réforme intérieure du cœur. Ne pas coucher avec une autre femme, c'est jouable. Ne pas convoiter avec les yeux. À un moment donné, vous le ferez. C'est pour ça que nous avons besoin de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que les commandements, l'apôtre Jean nous dit, ne sont plus pénibles, parce que désormais nous avons reçu la vie de Dieu. La loi est désormais rentrée dans nos cœurs, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Donc Jésus est le cœur même de la Torah. Et donc il est venu bénir alors qu'il allait mourir à la croix. Verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendu la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jésus lui dit Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ben Évidemment. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi je répète cette phrase, comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. La souveraineté de Dieu. Dieu était en contrôle de tout. Vous croyez que c'est seulement à cet instant-là qu'ils ont voulu tuer le maître Mais dès l'introduction dans son ministère, on a voulu, avant même d'ailleurs qu'il fasse son ministère, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, euh, euh, après, après qu'il euh, qu naisse, euh, on savait que le roi Hérode allait, allait mandater ses soldats pour tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Donc on voit bien que sa naissance allait provoquer le chaos, le combat. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez les souverains sacrificateurs caïfs, où les scribes et les anciens étaient assemblés. J'attire votre attention sur les événements qui vont suivre. C'est extraordinaire. Jean le Baptiste a vu Jésus en vision. Il a dit :« Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Jésus est arrivé en tant qu'agneau. Il fallait qu'il soit le sacrifice l'animal du Yom Kippour. Rappelez-vous, euh, le Yom Kippour une fois par an, c'est-à-dire le grand ce qu'on appelle pour les Juifs aujourd'hui le, le grand pardon, le souverain sacrificateur avait l'autorisation de rentrer dans le lieu très saint et même le devoir pour présenter les péchés du peuple en présentant le sang d'un animal euh, qui, euh, d'un point de vue symbolique euh, représentait la perfection de Christ, un agneau en même temps l'innocence, et il présentait le sang des sacrifices dans le lieu très saint une fois par an, et il fallait que ce soit un agneau. Et qu'est-ce qu'on voit ici euh, Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Celui qui devait entendre le Messie, comme étant l'annonciateur non seulement de l'Agneau de Dieu, mais donc du Fils de Dieu. Eh bien, il fallait que ce soit le souverain sacrificateur de l'époque, et en l'occurrence là, c'était Caïphe. Donc, là encore, on pourrait se dire mais les hommes sont méchants, les Pharisiens sont méchants. Pourquoi se fait-il que ce souverain sacrificateur Caïphe euh, euh, manifeste une telle méchanceté Car on va voir. La suite de ce procès, c'est terrible ce qui se passe, j'en conviens. Mais dans la souveraineté de Dieu, à son insu, il accomplissait la volonté parfaite de Dieu. Il fallait que Jésus passe devant le souverain sacrificateur. Il fallait qu'il soit cette Pâque immolée. Il fallait qu'il soit déclaré fils de Dieu. Et regardez ce qui fasse passer. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va annoncer clairement qui il est. Pierre, verset 58, le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le sang cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Il fallait que dans ce tribunal, on reconnaisse la perfection de Christ et qu'on n'avait rien, strictement rien, à lui reprocher et c'est exactement ce qui s'est passé et n'oubliez pas que ce tribunal était illégitime chez les juifs on ne faisait pas de procès la nuit les souverains sacrificateurs le souverain sacrificateur les pharisiens les, euh, les, les ceux de la tribu d'Aaron ne ne devaient pas faire euh, euh, des procès la nuit et pourtant ça a été fait de, de nuit parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était injuste est-ce que pour autant on peut en blâmer Dieu Non, parce que Dieu était encore une fois souverain. Il était maître des temps et des circonstances. Et il a utilisé ces hommes pour accomplir parfaitement ce à quoi le Christ était destiné. Et pas seulement mourir à la croix, mais il fallait qu'il soit déclaré l'homme, le seul homme parfait. Il fallait qu'il soit déclaré Dieu. Il fallait qu'il soit déclaré prophète et roi. Et vous allez voir que dans tout ce qui va se passer ici, c'est exactement ce que Dieu le Père va faire au travers de son Fils. Verset 60. « Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. » C'est-à-dire que même avec des faux témoignages, ça ne collait pas, ça ne tenait pas la route. Enfin, il en vint deux qui dirent. « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien ?» Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, regardez, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui répondit au verset 64, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais, donc il dit, je suis le fils de Dieu, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, il enfonce de clous, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et les soufflaient en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». En fait, c'est le souverain sacrificateur qui devait exécuter la sanction. Comme dans le gang qui pour, quand le souverain sacrificateur apportait le sang du sacrifice de l'animal, c'était de l'autorité du souverain sacrificateur et de personne d'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Le souverain sacrificateur était peut-être méchant, il l'était d'ailleurs, était mauvais, était loin de Dieu, mais il était malgré tout établi souverain sacrificateur et reconnu en tant que tel par Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus devait passer entre les mains du souverain sacrificateur et que le souverain sacrificateur donne la sanction. C'est-à-dire que la sanction ne devait pas être donnée par l'autorité romaine, et j'y viendrai tout à l'heure, mais par l'autorité religieuse pour que le seul agneau qui était digne de sauver l'humanité puisse être sacrifié sur l'autel. Et c'est le souverain sacrificateur qui devait le faire. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est terrible cette scène, reconnaissons-le. C'est terrible ce qui s'y passe. Et pourtant, si on prend de la hauteur, et nous nous en, nous, nous en sommes capables, d'une part parce que nous avons l'Esprit de Dieu, mais surtout parce que nous avons les Écritures qui nous permettent de comprendre où Dieu voulait euh, mener Jésus dans tout cela, et nous mener en même temps. Mais mettez-vous à la place de toutes ces personnes-là. Comment discerner ces choses C'est compliqué. Eh bien, parce que même dans les moments les plus ténèbres, la volonté parfaite de Dieu s'accomplira. Que vous le vouliez ou non, ça s'accomplira. Parce que ça ne dépend pas de vous. Ni de moi, mais de Dieu seul. On se retrouve juste après pour la suite de cet enseignement, après cette pause de publicité. À tout de suite. Alors, nous reprenons le cours de cette émission. Donc, je vous rappelle que nous sommes euh, dans l'émission Il est écrit et nous parlons du message de la croix, alors, un des aspects de la croix. Et nous en étions euh, au chapitre 26 du livre de Matthieu où le souverain sacrificateur lui a posé la question Es-tu le Fils de Dieu Et nous avons vu que Jésus a répondu qu'il était effectivement le Fils de Dieu en disant Tu l'as dit. Et il a même été plus loin puisqu'il a dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le souverain sacrificateur a donc déchiré ses vêtements et à partir de là, sa condamnation, d'un point de vue religieux, puisque les pharisiens n'avaient pas d'autorité pour, pour tuer cet homme, ils avaient une autorité religieuse, l'avaient donc condamné. Mais pour qu'il soit tué, il fallait bien sûr qu'il soit présenté un autre tribunal. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le livre de Matthieu toujours, mais au chapitre 27, et nous allons lire à partir du verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent, évidemment, à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant J'ai péché en livrant le sang innocent. Donc c'est-à-dire que même celui qui qu l'a qu trahi le déclare innocent. C'est fort. C'est-à-dire que bien que dans sa volonté il avait le désir de trahir Jésus pour de l'argent, il ne peut s'empêcher de sa bouche de le déclarer juste et de le rapporter à ceux-là même qui lui ont donné cet argent parce qu'il allait leur remettre le Messie entre leurs mains. Mais il ne peut faire autrement que de le déclarer lui aussi innocent. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et c'est là où on voit la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui devrait faire notre force par rapport aux autres religions C'est que nous ne devrions pas être désécurisés lorsque des difficultés nous parviennent, lorsque nous avons des, des, des choses que nous ne contrôlons pas. Parce que nous, nous savons que nous avons un Dieu souverain qui est maître des temps et des circonstances. Et que l'Esprit qui est en vous fera toujours son œuvre. Bien évidemment, nous avons notre part à faire qui est de marcher dans la volonté de Dieu. Mais même cette volonté-là ne peut se faire que lorsque l'Esprit de Dieu s'exprime au travers de nos vies. Par conséquent, nous devrions avoir une stabilité dans notre manière de vivre et dans nos émotions qui devrait dépasser tous les pharisiens de la terre. Et nous devrions avoir une religion dans le sens positif du terme supérieure à toutes les religions du monde. Nous n'avons pas besoin de faire de yoga pour avoir la paix. Nous avons le prince de paix qui vit en nous. Ce qui fait que même si vous êtes dans des difficultés, Dieu, et j'insiste là-dessus et je vais le répéter à plusieurs reprises, Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe cela, te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il ne prit même pas cet argent les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang vous, vous rendez compte ils sont ça veut dire c'est pour ça qu'ils ont blasphémé ils savent très bien qui il est et après en avoir délibéré ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour alors écoutez bien ça S'accomplissent ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. C'est incroyable. Ils accomplissent la prophétie de Jérémie. Et ensuite, au verset 11, on voit que maintenant, il y a quelque chose qui va se faire dans un autre tribunal qui est le tribunal légitime du monde de l'époque, qui était le monde romain, et donc tribunal romain. Et le représentant euh, romain de l'époque à Jérusalem, c'était bien sûr Ponce Pilate. Jésus, verset 11, comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea en ces termes. Donc là, il est dans un tribunal, on va dire quelque part civil, et il passe un, un interrogatoire légitime. Parce que là encore, Dieu voulait le faire passer par ce tribunal pour une chose particulière, et je vais en parler maintenant. Es-tu le roi des Juifs Ah, intéressant. Rappelez-vous, dans le tribunal religieux du souverain sacrificateur, il fallait qu'il soit déclaré fils de Dieu. Et maintenant, il fallait qu'il soit roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs Et Jésus lui répondit la même chose. La même formule, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Parce que dans un tribunal, logiquement, il y a une défense. Mais il ne se défend pas, parce qu'il sait qu'il doit accomplir la mission que le Père lui a confiée. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demande la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit Lequel voulez-vous que je relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, Ponce Pilate était conscient que leur motivation, quant au souverain sacrificateur, était totalement impure. Et il n'avait pas, dans un premier temps, l'intention euh, de le tuer ou de le condamner. Et là encore, ça peut peut-être paraître choquant, mais il était de la volonté de Dieu qu'il meure pour notre salut. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux, deux voulez-vous que je, que, je, voulez que, que je vous relâche Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Ah, oh, la méchante foule, et elle est méchante cette foule, influencée et attisée par les, les sacrificateurs, les religieux derrière qui disent, dites, crucifiez Jésus. Et ils l'ont fait. Mais ils accomplissaient la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans l'horreur la plus totale, oui c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais sans qu'ils ne le sachent, en déclarant qu'ils soient crucifiés, ils étaient en train de confirmer sa royauté. Ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu pour notre salut, mes amis. C'est pour ça que lorsque nous vivons des difficultés, Peut-être même qu'on aura des guerres, je n'en sais rien. Nous ne devons pas nous exciter, nous emballer ou paniquer, parce que Dieu est souverain et que Dieu peut parfois utiliser des choses qui paraissent être horribles pour accomplir sa volonté. Et si nous commençons à percevoir ça, alors nous serons en paix. Bien sûr, ça ne nous empêchera pas de pleurer, bien sûr, on aura... Euh, je ne sais pas, perdre un être cher, par exemple, et, et, et Dieu ne se réjouit pas de cela. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais qu'au travers des épreuves et des difficultés, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est en train de dérouler son plan parfait. Et vous comme moi, malgré nos pleurs, nous ne pourrons empêcher d'accomplir sa, sa volonté et son plan divin. C'est pour ça qu'il y a eu les deux premiers commandements de la Torah. C'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, sur la prière sacerdotale, qu'on appelle, on appelle ça comme ça, j'ai envie de dire les deux premiers commandements de la prière selon la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Et de ces deux sujets de prière découlent toutes les autres prières. Le pain quotidien, le pardon, etc. Mais c'est que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Ce sont les deux piliers de notre prière. Nous devons prier toujours en rapport avec ces deux premiers sujets. Ça doit être comme les deux premiers commandements, car de là découle tout le reste de la loi, nous dit la parole. Eh bien, de ces deux sujets de prière découle tout le reste. Quelles sont nos motivations quand nous prions Est-ce que c'est juste pour le manger et le boire alors que Paul nous précise que le royaume ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la justice de Dieu Est-ce que nous passons prioritairement tous nos sujets concernant le ventre, concernant le matériel, alors que tout doit découler de la volonté de Dieu et de son règne Si je veux de l'argent, c'est pour son règne. Si je veux peut-être rayonner dans ce monde dans le sens spirituel du terme, c'est pour que sa volonté soit faite. Je ne suis plus là pour me réaliser, mais pour que Christ se révèle au travers de ma vie. Le message de la croix, ce n'est pas un message destructeur, c'est un message d'anévissement de nos mauvaises motivations du cœur, pour que la volonté pleine et entière de Dieu s'accomplisse et se manifeste au travers de nos vies. Quels que soient les temps et les circonstances, ça s'appelle la maturité chrétienne. Et nous en avons bien besoin dans, euh, euh, dans le milieu évangélique. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et vous savez, ici, Pilate va présenter Barabbas et Jésus. Et beaucoup de gens, un peu comme on peut voir aujourd'hui, où effectivement il y a une forme d'injustice, on l'a vu au travers des Gilets jaunes il y a quelques mois de cela. Où les gens, euh, d'une manière quelque part légitime, parce qu'il y a certainement des souffrances quand il y a eu la hausse de l'essence, ça a suscité ce mouvement. Et j'ai vu des chrétiens aussi s'engouffrer dans cette chose-là, alors que nous aurions dû amener une, une paix et une espérance parmi ces gens-là qui avaient besoin de recevoir le vé véritable message. Et un peu comme ces gens-là qui peuvent se dire c'est injuste qu'on sorte euh, de prison Barabbas et qu'on condamne le seul parfait. C'est injuste. Non. C'est pas injuste. Ça aurait été injuste que Barabbas meure pour nous. C'est ça l'injustice. Parce que s'il était mort à la croix, au lieu que ce soit à la place de Christ, nous n'aurions jamais été sauvés. Donc oui, c'est une injustice d'un point de vue humain. Mais il fallait que Barabbas soit, soit libéré. Et gloire à Dieu pour sa libération. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Messie souffre. Il fallait qu'il meure à la croix, pas Barabbas. Donc nous, nous n'avons pas à pleurer parce que Jésus est mort à la croix, parce que ça a été notre salut. Si Barabbas était mort à la croix, nous ne serions pas sauvés. Eh bien, nous devons avoir cet état d'esprit dans ce monde. Ce qui compte. Bien sûr, on peut pleurer pour l'injustice parce que euh, le monde est injuste et, 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 et c'est normal que nous ayons de la tristesse et de, de la compassion pour les gens qui souffrent. Au contraire, là encore, nous devons avoir un cœur rempli de compassion et prier, mais nous ne devrions pas être avec ceux de la foule qui disent c'est injuste. Je ne dis pas que Dieu veut que l'injuste que, que, que vive et que le juste périsse, mais que parfois, sur le plan historique, sur le plan euh, social, eh bien, Dieu peut utiliser des mouvements des choses pour accomplir son plan divin. Et si nous n'avons pas l'esprit, nous risquons d'être complètement charnels et de devenir nous aussi des, des petites Che Guevara spirituels. Et c'est comme ça que j'ai vu malheureusement parfois certains chrétiens prendre les armes. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement parfois dans l'histoire de l'Église. Nous ne devons pas être passifs, mais au milieu de ce chaos, nous devrions être des phares. Nous devrions être des porteurs d'espérance et leur montrer qu'il y a plus de 2000 ans de cela, le châtiment sur lequel euh, euh, que nous devrions porter est tombé sur lui et que désormais nous avons la paix. Nous devons communiquer la paix dans ce monde qui va aller de plus en plus mal, où il y aura peut-être euh, des mouvements sociaux, peut-être allez savoir des révolutions, j'en sais rien. Mais quelle va être notre attitude? C'est injuste que Barabbas soit libéré. Non! Heureusement! Parce que grâce à ça, nous sommes sauvés. Parce que c'est Jésus qui a pris notre place. C'est incroyable. Et qui a pris la place de Barabbas. Pilate, voyant verset 24 qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmenté, pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit "Je suis innocent du sang de ces justes." Cela vous regarde. Ça c'est très fort. Il fallait que l'état de l'époque, l'état légitime de l'époque qui était Rome, déclare Jésus innocent. Il le fallait, il fallait non pas que ce soit simplement un ami de Jésus qui le déclare innocent ou ses disciples. Non, il fallait que l'état officiel de l'époque le déclare innocent. Il fallait que ce soit un innocent qui, qui soit condamné, quelqu'un de parfait. Parce que pour que le sacrifice soit agréé de Dieu le Père, il fallait que ce soit un homme. Un homme, mais parfait. Or, aucun homme n'est parfait sur cette terre, sauf Jésus. Et c'est l'État romain qui l'a déclaré innocent. Et donc il était qualifié pour être sacrifié. Seigneur, c'est injuste qu'un innocent meure à notre... Euh, qu'un qu innocent meure à la place de Barabbas. Il fallait que ça se passe par là. Merci Seigneur, parce que grâce à ça, nous sommes sauvés. Vous voyez la perception Combien nous avons besoin de l'Esprit et de la parole de Dieu pour comprendre exactement ce qui se passe dans le ciel. Verset 25. Et tout le peuple répondit, ça c'est terrible. Que nos, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qui s'est passé, hein, mes amis. Parce qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit. Pratiquement 80% de la communauté juive a été tuée. Femmes, hommes, enfants. Les mamans, il y a eu deux ans de, de siège, les, les mamans se nourrissaient de leurs bébés. C'était terrible, c'était les conséquences de cela. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Mais regardez, ça ne s'est pas arrêté là. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant ⁇ Salut, roi des Juifs !⁇ Et ils crachaient contre lui, prenait le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ça c'est incroyable. Seigneur, regarde comme le monde est injuste. Regarde comme on, on insulte... Mon, mon Jésus, mon Seigneur, mon Maître, regarde comment les hommes qui sont chrétiens souffrent dans le monde. Combien, dans, ce soit euh, euh, en, en Asie, dans les pays arabo-musulmans, euh, bref, dans tant d'autres pays, en Chine, les chrétiens souffrent, ils sont, ils sont persécutés. Et je ne vais pas me réjouir pour ça, c'est terrible. Et là, on pourrait dire de, de notre Maître, mais regarde, c'est injuste, on se moque. Mais il ne se moque pas de lui, il le déclare roi. Vous ne voyez pas qu'ils lui ont mis une tunique de roi de couleur pourpre qui nous parle de la royauté Vous ne voyez pas qu'ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête Vous ne voyez pas qu'ils lui ont mis un sceptre C'est-à-dire que même lorsqu'ils pensent se moquer de lui, Dieu les utilise pour que les soldats romains le déclarent roi et seigneur. Oh mon Dieu Qui peut aller contre la volonté de Dieu Le diable lui-même est, est obligé de demander l'autorisation pour agir. Il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Est-ce que pour autant Dieu est l'auteur du mal Bien sûr que non, ce n'est pas l'auteur du mal. Mais ce qu'il utilise les temps, les circonstances c'est tout ce qu'il a créé lui-même pour que sa volonté s'accomplisse. Il fallait que non seulement Ponce Pilate le reconnaisse roi, mais que les soldats de ce monde de l'époque qui avaient autorité sur les Juifs eux-mêmes le reconnaissent roi. Alors certes, c'était en moquerie, mais ils l'ont reconnu roi. Notre Dieu est grand. Rappelez-vous qu'entre-temps, on l'a remis à Hérode. Donc ce passage n'en parle pas, mais il faudrait plutôt aller dans l'évangile de Jean notamment. Et on voit qu'il ne répond pas à Hérode. Hérode lui pose plein de questions, il avait tellement envie de le voir, le faiseur de miracles, le, diverti, le divertissement était à sa portée, il voulait se divertir. Alors, à la différence de tous les autres, il ne va rien répondre, mais alors absolument rien. Vous savez pourquoi Parce que Hérode n'était pas véritablement juif et il n'était pas reconnu. C'est-à-dire que Jésus lui accorde aucun crédit, donc il n'a pas de compte à lui rendre. Mais vous savez ce que fait Hérode En se moquant de lui, il le revêtit de manteau de, de grands prix. Pensant là encore se moquer de lui, il était en train de le revêtir des plus beaux vêtements royaux. Eh bien, sans le savoir, Dieu était en train de lui faire passer un transfert d'autorité d'Hérode à Jésus. Voilà le Seigneur que nous servons, mes amis. Voilà le Seigneur que nous servons. Nous servons un grand Dieu qui n'a pas besoin de nos prières en transe pour que sa volonté s'accomplisse. Il faut que nous puissions recevoir par l'Esprit dans nos prières la volonté de Dieu afin que nous puissions être conscients que le royaume de Dieu est en train de s'établir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, quelle qu'elle soit, mais que ta volonté soit faite. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Avant, de cela, avant cela, il y a un autre passage qui n'est pas mentionné dans le livre de Matthieu que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, où il est bien précisé que, euh, après avoir établi son jugement, Ponce Pilate va présenter Jésus euh, à la foule et il va dire ceci en, en, en grec il va dire « Hēche homo », voici l'homme. C'est-à-dire qu'il le présente. Innocent, il le déclare innocent, mais il va présenter l'homme, parce qu'il fallait que ce soit ce dieu fait homme qui soit sacrifié, un homme. C'est trop facile que ce soit Dieu dans toute sa divinité. Il fallait qu'il passe dans son humanité au travers de ses souffrances en tant qu'homme, car c'est un homme qui devait payer pour le péché de toute l'humanité et de tout, donc de tous les hommes. Et il l'a déclaré parfait, innocent, pur, et il le dit, et il dit ensuite, donc l'autorité romaine, Ponce Pilate, Ecce homo, voici l'homme. Vous voyez, la perfection. Et sur l'écrito, euh, sur pardon, le, la croix, il y aura un écriteau que Ponce Pilate lui-même va dire, et que va écrire, enfin, pas de ses mains, mais va lui dire, euh, va accepter qu'on mette cet écrit. Et les souverains le souverain sacrificateur et les, et les autorités religieuses de l'époque euh, n'accepteront pas ça. Et il dira ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il était le roi des Juifs. Et c'est écrit en trois langues. En hébreu, en grec et en latin. Les trois langues les plus couramment parlées de l'époque. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a été reconnu sur cette croix le roi des Juifs, alors que cela l'avait rejeté. Et c'est un, 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 un membre de l'autorité romaine qui l'a écrit. C'est-à-dire que toute l'humanité de l'époque, représentée par les religieux juifs et par les Romains, c'est-à-dire le monde de l'époque, était obligée de reconnaître qu'il était le roi des Juifs. Et il a été déclaré roi ou ça Sur un trône céleste Non, bien qu'il soit roi, il l'était bien avant de venir ici. Mais sur cette croix, la croix, mes amis, c'est le trône provisoire de Dieu. Pendant les quelques heures qu'il a traversées, au milieu de ces deux brigands, il y avait un trône. À la vue de tous. Mes amis, quel trône nous voulons Soyons honnêtes, quel trône nous voulons Quel trône cherchons-nous Le trône de Dieu ou nos propres petites gloires Cherchons-nous à, cherchons à être des rois clés ou à être dans la volonté du roi du roi et du seigneur des seigneurs, des seigneurs Vous voyez, d'un point de vue humain, ce qui s'est passé est totalement injuste, mais d'un point de vue de Dieu, c'était totalement divin et parfait. Parce que, encore une fois, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et on connaît la suite, il va mourir à la croix, entre deux brigands. Il y aura encore plein d'autres choses à dire, tellement c'était précis. Mais il va se passer encore quelque chose de beau. À sa résurrection, il va se montrer à plusieurs personnes, on le sait. Et il va se montrer aussi à un moment donné parmi les apôtres. Et puis il y a un personnage qui est très intéressant qui s'appelle Thomas. Et Thomas va dire ceci, tant que je n'ai pas touché ses mains et son flanc, je ne croirai pas. Et Jésus va se manifester à nouveau parmi ses disciples et en présence de Thomas. Et il va dire à Thomas, touche, ce sont bien mes mains. Thomas croyait au Messie. Thomas était plein d'espérance en ce qui concerne Jésus. Peut-être qu'il était comme certains de ses disciples qui pensaient qu'il allait renverser l'autorité romaine et qu'il allait prendre le pouvoir de manière humaine. A-t-il réellement saisi qu'il était Dieu? Il s'est montré à Thomas, il a touché ses mains. Et vous savez ce qu'a dit Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Cette fois, il a reconnu que Jésus était Dieu. Est-ce que tu reconnais réellement que Jésus est ton Dieu Dans toutes les occasions de ta vie, est-ce que tu acceptes sa divinité Accepter sa divinité, ce n'est pas dire Ah, oh, il est le roi, il m'a béni, il m'a donné une maison, il m'a... Oui Mais est-ce que dans la cellule de ta prison, tu peux continuer à dire qu'il est le roi sur ta vie Dieu, tu ne peux pas forcer son destin. Tu ne peux pas changer les voies de Dieu. Bien sûr, il y a des passages dans les Écritures qui montrent que Dieu a changé ses plans. En fait, c'était une expression, une forme d'anthropomorphisme. Mais en aucun cas, il a changé ses plans. Parce que tout est tracé. Le Seigneur sait exactement ce qu'il veut faire de ta vie. Mais si tu veux vivre la paix de Christ réellement, accepte la souveraineté de Dieu. Et que des deux sujets de prière principaux soient ceux-ci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Soyez bénis et à bientôt pour une prochaine émission.